Après le salut de l'étendard de police, le général Jean-François Ndengue a d'abord adressé ses félicitations à la force publique, laquelle en cette période de crise sanitaire a su gérer avec professionnalisme l'ensemble des missions. Je vous dis toute la fierté de notre corporation parce que partout sur le territoire national, les policiers et les policières, gendarmes et militaires ont contribué efficacement au succès du dispositif gouvernemental de lutte contre la pandémie du coronavirus COVID-19. Puis il a lancé un appel aux responsables des associations, partis politiques, ainsi qu'aux parents de faire preuve de leur sens de responsabilité pendant cette période électorale. Les responsables des partis politiques ont ainsi le devoir d'encadrer, de discipliner leurs militants et sympathisants. Quant aux parents, ils veulent bien tenir leurs enfants pour éviter qu'ils ne soient manipulés par quelques politiciens véreux. Dans un contexte de lutte contre les clowns et les bébés noirs, les parents qui failliront endosseront toute la responsabilité. Toujours au cours de cette cérémonie, une démonstration de savoir-faire des forces de l'ordre a été mise en pratique par l'illustration des faits du quotidien. En somme, un déploiement des forces mixtes a eu lieu, suivant un circuit bien défini le long des avenues de la ville pour rassurer la population à quelques jours du début de la campagne électorale.